accord avec le plan du salut. Si frère Branham est le lieu au temps de la fin, on doit trouver un type dans l'Ancien Testament. Là, je prends Élie dans l'Ancien Testament. Dis Seigneur, que tout est sache que je suis que toi tu es Dieu et que j'ai fait toutes ces choses d'après la parole. Et si Élie ne peut pas être Dieu, là ils ont eu un choc. C'est Branham et Élie, il ne peut pas être Dieu. Et un vrai Élie fera toutes choses selon la parole de Dieu. Si vous avez des choses qui ne sont pas dans les Écritures, vous les attribuez à Frère Branham. Vous faites de Frère Branham un foyer. Parce que tu nous as protégés comme il le faut. Toute la nuit, Seigneur, durant, tu nous as protégés. Et tu nous as accordé encore cette journée. Nous étions à des différents endroits. Nous voici ce soir dans ta maison. Seigneur, te demandons, Seigneur, puisses-tu pardonner tous nos péchés? Et je t'élèves très loin, Seigneur Jésus-Christ, dans la mer de l'oubli. Que le sang de Jésus-Christ puisse purifier tout un chacun de nous. Il y a des frères qui t'ont remercié. Pour que les Yassifs et pas que la gloire te revienne, Seigneur. Notre pasteur Eugène, ce qu'il a dit, se sont rendus à Kambov. Il les a protégés, ils sont encore parmi nous en paix. En tant qu'église, nous disons merci. Et tous ceux qui sont venus à Lubumbashi, et tous les malades qui avaient guéri, Dieu soit glorifié. Nous t'abandonnons toutes les requêtes. Fais à chacun d'après sa foi. Bénis notre pasteur qui montera Dieu de la chair pour prêcher. Donne-nous tout nécessaire. Parce que celui qui connaît le cœur des hommes qui sont même le cœur, c'est toi Dieu. Maintenant, lorsque tu nous parles là, toi Dieu, quand nous rentrerons, dirons que notre cœur était en train de battre lorsque notre Dieu nous parlait. Bénis son ministère, bénis sa famille. Bénis tous les conseils de l'église. Bénis tous les enfants de Dieu. Et tous ceux qui te servent dans cette église. De différentes manières. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Souviens-toi de notre frère Franck dans son ministère. Souviens-toi de tous les serviteurs qui sont dans les champs missionnaires. Nous abandonnons notre pays entre ta main pour que tu apportes la paix, que la gloire, l'honneur, la reconnaissance, Seigneur Jésus, te soit rendue. Nous voulons te glorifier en ce moment. Nous allons t'offrir les sacrifices et les dîmes. Les offrandes de l'édime. Puisse bénir l'œuvre de la main des enfants. Nous demandons ton nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons glorifier notre Dieu.
toute l'église dans le nom du Seigneur. Nous saluons également le frère et sœur qui nous suivent en ligne. Nous pouvons incliner notre tête pour la prière. Seigneur Dieu, nous te disons merci ce soir. Ta main a été avec nous depuis le matin jusqu'à 7h. Et nos cœurs sont dans la joie. Parce que tu as permis que nous venions dans ta présence. Nous attendons à toi. Puisses-tu nous parler, nous instruire dans tes voies. Accorde-moi ce qu'il faut pour l'avancement de l'Église. Bénis tes fils et tes filles, honore leur foi. Bénis aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Accorde-les. Nous avons ainsi demandé avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un frère qui m'a posé une question sur la préscience. J'aimerais qu'il écoute ce qui sera dit aujourd'hui. Ce que je dirai demain, ça va résoudre son équation. Mais c'est une très bonne question. Il dit, c'est d'un cœur sincère de connaître que je pose cette question. Na sema hivi mchungaji ni kwa moyo haki wa kunyoloka nauliza hii ulizo. Aide-moi ce soir sur la préscience de Dieu. Unisaidie hii mangaribi pa mambo nangaria kutangulia kujua kwa Mungu. Vous avez dit hier, vous avez dit que Dieu voit ou Dieu constate que nous allions croire. Jana ulisema Mungu alitangulia kuona na kujua kusema shie tutaamini. Ainsi nous a choisi pour puis il nous a prédestinés sur le chemin pour pouvoir rencontrer sa parole. Ma préoccupation est la suivante. Mambo yangu ni mchungaji. Si Dieu n'est pas un metteur en scène, kama Mungu ashifanye michezo wala théâtre, entre auteur de tout ce qui arrive à l'homme, kumambo yote ile kunafikia mutu. Qu'est-ce que l'homme contient à sa création par Dieu qui échappe à Dieu? Pour que Dieu constate ou soit surpris de voir que tel croira et tel autre non. Or, il dit, je fais grâce ou miséricorde à qui je veux. Japo Mungu akonasema niko nafanyisha rehema na neema kwa yule ninapenda. Je ai tel autre. Nachukia fulani na fulani nampenda. Rien ne peut arriver sans que je sois l'auteur. Hii mambo haiwezi kufika kama Mungu hairuhusu. Quand il a conçu la création de l'homme pour faire manifester ses attributs entre autres. Wakati Mungu aliumba mtu na kuonesha makazi ile ilikuwa ndani yake na ibingine. Sauveur destructeur. Kwa mokozi mwaribifu. Non, en Dieu il n'y avait pas l'attribut de destructeur. Mungu amkoe kazi ya kuharibisha bitu wala kuua. Non. Hapana. N'est-ce pas l'homme était innocent et impuissant? Mui mambo mtu akujua kitu na kuwa na nguvu. Rien ne pouvait échapper à Dieu. Hakuna kitu kinaweza kupita Mungu bila kujua. Pour qu'il puisse constater après que tel croirait l'autre non. Dieu a eu qu'on a kusema huyu ataamini huyu atakatala kuamini. À part lui, Dieu le tout-puissant créateur qui pouvait mettre déjà à la création en telle la nature de son fils pour croire, être sauvé et en telle autre la nature de ne pas croire pour être détruit. Isipokuwa mtu mwingine paka Mungu tu ndio kuna ile ya uwezo ya kuweka ndani ya huyu mtu ile hali ya kusema huyu ataamini huyu atakatala kuamini. Et que c'est cette nature qui influence notre libre arbitre.
Na nile hali njoo kunafanya uvuto kukuchakula kwetu wala kipenda roho yetu. Selon sa souveraineté et sa volonté parfaite. Kufuatana na kutaka kwake na mapenzi yake kamilifu. Aide-moi. Pasteur, unisaidie. Je crois que ça va se résoudre. Na wazia ndugu atapata jibu. Quand nous parlons du libre arbitre. Wakati tutasemea mambo ya kipenda roho ya mtu. Dieu nous a pas influencé. Mungu akutusukuma wala. Là chacun est totalement libre. Pale kila mtu yuko huru ya kuchakula na kufanya kila anapenda. Nous verrons ça peut-être demain. Na wazia tutaiona kesho. Mais il faut mettre comprendre correctement chaque étape. Tunapasha kubeba kila hatua na kuiweka pafashi yayo. Regardez avec la prescience par exemple. Muone na kutangulia kujua kwa Mungu kwa mfano. Satan est terrible. Shetani ni mjanja sana. Dans ce message. Mui ujumbe. Il y a eu des prédicateurs. Kurukwa baubiri. Quelqu'un avait prêché ici. Mutu moya ubiriaka hapa mui kanisa. J'avais donné un exemple, j'ai été content, alléluia, amen. Arletaka mfano moya bantu bari luka luka, banalia amina, amina. Dit Dieu, il est le maître du film. Ah, Mungu jo mwenye film, mwenye kutunga map. Quand quelqu'un conçoit un film, wakati ou dans une pièce de théâtre, film au pièce moya ya théâtre, le metteur en scène, mwenye aliweka ile, alitunga ile théâtre, lui connaît déjà toutes les étapes. Anayua mambo yote vile tafanya timpa kakumwisho. Il y a des pièces de théâtre qui mélangent les deux, la comédie et la tragédie. Kuko théâtre kono enesha michezo na tragédie. Bien tu dois checker ça, la comédie na biakuleta boka. Mais toi qui ne connais pas par exemple. Wewe ujue ile théâtre vile tafika. Tu assistes à la présentation de cette pièce théâtrale. Wewe kunafuata ile théâtre biko na pitisha. Quand on fait la comédie, vous t'checka. Wakati biko nafanya biakuchekesha, tu vas rire. La partie tragique. Lakini wakati mambo ya boka inafika. Utreva qui ça. Quelqu'un qui a le couteau veut poignarder quelqu'un là utashutuka, utashikia boka. Le metteur en scène. Lakini mwenyewe la ritunga ile. Il sait que le dénouement sera heureux. Anaweza kusema mwisho ya mambo yote itakuwa ya furaha. Yeye atashika iko calme yeye. Aisha kutulizana. Mais le frère a pris cet exemple. Lakini ndo karibeba hii mfano. Dieu connaissait tout. Ase Mungu aliyo yote. C'est quand comme il était dans l'adultère. Ah ça veut dire quoi alikuwa mbusharati. Groupe il est yabo. Et leur groupe était dans l'adultère. Quand eux commettent adultère, chez eux. Ah wa bon. Mungu ashishi.